chica. ¡Hola! Qu'est-ce que vous faites, les filles? On fait des banderoles d'encouragement pour notre champion. Oh, ben c'est une bonne idée, chaud. Encourager son poulain, c'est la moindre des choses. Et puis attention, on a fait plusieurs banderoles. Oh, carrément, ouais. Ah, ben comme ça, ça requinque, hein. Tous les 10 km, hop, un petit encouragement, et c'est reparti. Ouais. Première banderole. Allez, Daniel. Attention, voici la deuxième. L'essentiel, c'est de participer. Attention, voici. Il n'y a pas de honte à être dernier. Enfin, une dernière. On est rentré se coucher, faites pas de bruit en rentrant. Chut. Confiance en vous, Daniel. Allez, champion, on va s'entraîner. Enfilez-le. Samantha, vous savez quoi? Non. Ça me fait chaud au cœur que vous ayez trouvé autant de sponsors. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai confiance en vous, Daniel. Ouais, mais savoir qu'autant de gens croient en moi, ça me donne une tête épaisse. Vous leur avez pas caché que j'étais débutant, au moins? Ah ben non, surtout pas. Bien au contraire. J'aurais dit que vous étiez un véritable tocard, que vous tenez à peine sur un vélo, et enfin, que vous allez louper le premier virage. Bon, au moins c'est franc. Oui. Ben pourquoi qu'ils sont dans le dos, les sponsors? Ah ben justement, à cause du premier virage. Si on les met devant, les sponsors, on les verra pas. Ben pourquoi? À cause de l'arbre. Mais quel arbre? Ben qui se trouve à la sortie du premier virage. Et donc là, on les verra pas. Ah ouais. Ça, c'est pour vous. Enfin, pour l'arbre. Chica, chica. Allez, on y croit. On y croit. Premier virage, on y croit. L'arbre. Oh. Alors, les filles, vous êtes prêtes pour le passage de bouteille d'eau? Regardez, on s'est entraînés. Bouteille d'eau. Ok. Hop, pas. Ouais, c'est pas mal. Comme ça. Ok, super. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ah, quand même. Randolph! Oups! Chantal? J'ai des gros problèmes en ce moment avec Daniel. Ah bon? Ouais. Je sais pourquoi il accumule en ce moment les contre-performances. Il fait passer sa vie privée avant sa vie professionnelle. Il a quelqu'un dans sa vie. Non. Si? Mais en plus, je crois que c'est quelqu'un du peloton. Comment tu peux dire ça? Écoute, si tu veux, on peut faire le test. Daniel! Ouais. Vous êtes prêts? 5 minutes, je m'enfile un cycliste et puis j'arrive. Et voilà. Enfin, en même temps, ça m'étonne pas. Hein. Quelqu'un qui se rase les jambes. Ça avance? Ah oui, mais j'en ai marre. Hein. Je finis la première pile, après tu feras la deuxième. D'accord. Moi, je termine de remonter le vélo, j'arrive. Ok, c'est cool. Daniel, votre vélo est prêt? Oh, merci, sur mon temps. Bon ben, qu'est-ce que tu veux? Ce soir, on va manger des rognons. Bon, qu'est-ce qui se passe encore, Daniel? C'est que vous allez me laisser là tout le week-end avec... On vous a dit qu'on était obligés. On part au salon du gîte à Paris. C'est 2 jours, c'est rien. Et puis, il est hors de question que pendant ces 2 jours, vous arrêtez l'entraînement, hein. Allez, arrêtez de faire cette tête-là. Et puis, je suis sûr que ces 2 personnes vont très bien s'occuper de vous, hein. Oui. Hein, Janine et Yvette? Oh ben nous, quand on a lu l'annonce, cherche entraîneuse, ayant beaucoup roulé pour week-end intensif, hein, nous on a tout de suite compris que c'était pour nous. Hein, Yvette? Hein? Ah ben oui, pareil, tout pareil. Et dites les filles, ça fait combien de temps que vous êtes dans la partie? On a commencé en 54. Oui. Ça fait faire bien 53 ans. Ouais, 53, 54, facile. Ah, je savais pas que vous aviez un taux d'expérience, hein. Ça c'est bien pour vous ça, Daniel. Ça va vous faire grimper tout ça. Bon, on va y aller, nous. Vous partez déjà? Oui. Allez, bon entraînement. Bon, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un petit échauffement. Je peux venir avec vous? Oh non. Ben non, mais c'est important la préparation. Ça hein? Alors, on enlève son petit chapeau. Voilà. Oh là. Ah, fais signe qu'il a faim. Ah.
Une petite pop, s'il te plaît. J'ai laissé un verre dedans. Ah, voilà un autre. Ah, ah, lui, il a soif. Allez, 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 allez. Courage. Allez. Tu lui as mis du laxatif? Ouais. Me dis pas que... C'est Daniel. C'est Daniel. Daniel. Allez, Daniel! On est avec vous, on sait que c'est dur! Allez, c'est parti! Wouh! Allez, Daniel, on a un bon rythme! Bon, Daniel, on vous attend à l'arrivée, d'accord? À tout à l'heure! À tout à l'heure! Wouh! Allez, Daniel, ça! Elle m'énerve! Elle m'énerve! T'es sûr que ça veut lui faire plaisir? Oh bah tu sais, de toute façon, une banderole, c'est une preuve d'amour. Hein. On est là pour soutenir Daniel quand même. Oui. Ah, le black arrive. Déroule la banderole. Oh, c'est parti. Il m'énerve. Allez, Daniel! Allez! Oui! Mais prenez le vélo! Oh, prends-en! Allez, Daniel, on y va! On y va! On tient le coup! Dis donc, dis donc, dis donc. Il était sur un bon rythme, mais là, il manque de souffle. Allez, on respire, Daniel. On respire, c'est bien, c'est bien. Oui, enfin, normalement, la voiture de l'entraîneur est derrière et non pas devant le coureur. Elle m'énerve. Oui, bon, ben, on respire. Samantha, oui, j'ai besoin d'un petit coup de pompe là. Ok, y a pas de problème, je suis là pour ça. Allez, hop, en selle, on y retourne. M'énerve. Petit cake. Qu'est-ce que tu fais avec une pompe? Y a Daniel qui arrive. Oh là, il dit qu'il est fatigué et qu'il a soif. Bouge pas, donc. Surtout pas, attends, bouge pas. Un petit remontant. Merci les filles. Et voilà, c'est parti. Attends, qu'est-ce que tu lui as donné là? Attention au dopage, hein? T'inquiète pas, c'est du 100% naturel. Moitié jus de pruneau, moitié jus de pruneau. Ah bah dis donc, il a déjà fait le tour, mais il a jamais pédalé aussi vite. Ah la vache, je peux prendre un fanion? Bah c'est les vôtres. J'en prends deux même. Moi je les prends tous. Ah la vache. Wow. Ah, je vais prendre la banderole aussi. Tu vois ma chanchant, je sens que dans le cyclisme, notre Daniel... On va laisser une trace. Yeah. Allez-y, il est là. Samantha, je crois qu'on s'est pas compris, là. Vous m'avez pas dit que votre spécialité, c'était la montagne? Si. Bon, que vous étiez un grimpeur? Si. Et qu'une montée, ça se grimpe en... En danseuse? Alors? C'est monsieur. Pardon. Allô? Ah, c'est la grande pédale magazine. Oui, je vous écoute, pardon. C'est pour l'interview. S'il vous plaît. Ah, m'énerve. C'est pas possible. Tu te rends compte, Chantal? Il y a plus d'un million d'enfants pauvres en France. Ouais, je sais, c'est triste. Oui, mais en même temps, ils disent que si on donne à chacun 10 euros, on pourrait tous les sauver. Oui, mais enfin, ça fait quand même 10 millions d'euros à trouver, quoi. Si seulement on les avait. Mais bien sûr qu'on les a. Mais tout est possible. Il suffit de s'endetter. Et puis c'est quoi s'endetter de quelques millions pour sauver des enfants? Dis-moi. Hein? Dis-moi. Oui, t'as raison, faut le faire. Mais bien sûr. Allez, je m'en fous, je remplis le chèque. Allez, c'est parti. Je vais mettre 10 millions d'euros. Oh, et puis tiens, je mets 12 millions d'euros. Oui, on s'en fout, qu'est-ce que je peux faire? Ben voilà, juste une petite signature ici. Hein? Oui, c'est parce qu'en ce moment, je suis un petit peu à découvert. Des signes. Attends, je vais juste mettre pour Samantha. Voilà, j'y vais. C'est vraiment pour la bonne cause, hein? Oui.
Alors, Samantha, il paraît que vous vous lancez dans l'humanitaire. Oui, parce que la solidarité, c'est important, hein, surtout pour ceux qu'on aide. Oh, c'est bien vrai. Alors, avec le GIC, on a développé une action caritative. Alors, pour tout repas acheté, on reverse la moitié à une association. Bon, j'y vais. Oui, mais là, c'est un petit peu plus que la moitié, hein. D'être généreuse. Oups. Ça doit être prêt. Tout d'abord, merci d'être venu aussi nombreux. Je vous rappelle juste que l'argent récolté durant cette vente aux enchères sera reversé pour lutter contre le chikungunya. Très bien. Commençons par le premier lot. Chantal, s'il te plaît. Bien entendu. Voilà, mise à prix, 300 euros. Ah, je vous rappelle que c'est le tableau hein, qui est mis en vente, c'est pas Chantal. Ah, 300, 400. 400. 600. 600 en fond. 700. 700, c'est bon. 800. 800. Je viens de voir les lots pour les enchères, là. Mm-hmm. T'es sûr de ton coup? Ah, mais Jean-Jean, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Parfois, il faut tricher pour récolter de l'argent. Allez, prochain lot. L'accordéon d'Elvis Presley. Mise à prix, 3000 euros. Mais, on n'a jamais vu Elvis avec un accordéon? Il a raison. Non, mais justement, justement, c'est parce que c'est rare que c'est cher. Allez, on enchaîne, parce que juste après, nous avons le baladeur MP3 de Beethoven et enfin, le portable d'Henri IV. 3500. Très bien. Ah là là, oh bah dis donc, la récolte a été bonne. Tenez, Samantha, c'est pour vous. Enfin, pour vos démunis. Bien sûr. C'est magnifique. Ils vont être contents. Merci, Simon. Mais c'est bien naturel. De rien. Tenez, Samantha, moi, j'ai ça pour vous. Ah. Je suis un petit peu en retard. Oh, c'est pas grave. Alors. Ah non. Ah non, 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 non. Voyons, Annabelle. Écoutez, la charité, ce n'est pas de se débarrasser des vieilles cochonneries qui encombrent. Hein. C'est trop moche, hein. Moi, je peux pas envoyer ça. L'humanitaire, c'est pas une poubelle. Attention, Annabelle. Alors. Oh, il y a un mot. Joyeux anniversaire, Samantha. En plus, ça m'étonnerait qu'il y en ait une qui s'appelle Samantha. Ah, alors, ta matinée consacrée à ton œuvre de bienfaisance au profit des Indiens Watapek d'Amazonie. Oh là, j'ai t'aidé une générosité. T'as vidé les armoires? Ah, certainement pas. C'est pas mon style de sortir des vieilles choses. Non, non, j'étais envie de faire des courses. Mmh. Je l'aurais choisi que le meilleur. C'est simple, j'en ai eu pour 2000 euros. Là, je te reconnais bien, là. Oh, bah, attends. Fais voir. Oui, je le sais. Une robe de soirée? Oui. Une étole en fourrure? Voilà. Et un déshabillé en bois? Voilà, c'est ça. Mmh. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de tout ça en pleine jungle? Ah ben non, ça c'est pas pour eux, ça je garde. Non, pour eux c'est... Ah ben c'est les cintres. Comme ça leur fera des arcs tout neufs. Oh, les Indiens. Bon, bah, je vous la lis? Oui, je vous écoute. Alors, cette année encore, j'ai bien reçu votre courrier. Je vous demanderai d'arrêter d'insister. Je comprends que vous en ayez besoin, mais moi aussi. Car malheureusement, je suis toujours vivante. C'est pourquoi cette année encore, je ne ferai pas de don d'organes.
N'hésitez donc pas à me recontacter et je me ferai une joie de répondre favorablement si je suis morte. Et qu'est-ce que vous donneriez? Bon, enfin, Simon. Ben, mon cerveau, hein. Voilà. Un petit arbre. Et voilà, vous la postez. C'est quoi, là? Je finis ma banderole pour le défilé de ma nouvelle grande cause. Oh, madame! Et c'est quoi, ta nouvelle grande cause? Eh bien, c'est la lutte contre l'anafla, l'anaflabaga, l'abanaglafa, la flamaga, la glamada... L'analphabétisme. Ouais, bah finalement, je vais changer de cause. Je prends le palu. Le palu, c'est bien aussi, non, comme grande cause? Oui. Oui. Le palu, pas L, U, T, T... S, ils sont plusieurs. Sûr. Alors, toujours dans vos papiers? Oui, je remplis des papiers pour faire un don, après ma mort, pour ceux qui en ont besoin, quoi. C'est beau, c'est bien, mais excusez-moi, Samantha, je pense que la générosité, c'est d'abord de se priver un peu. Moi, par exemple, je préfère donner de mon vivant. Voilà. De votre vivant? Eh oui. Oui, pourquoi pas. Alors... Mais qu'est-ce que vous faites? Ah bah oui, on fait pas un don d'organes sans une petite anesthésie, hein, même locale. Hop. Ah bah attendez, je vous ai pas dit. Ah oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que j'inscris? Alors, cœur, foie, poumon. Bon, bah je vous en mets un peu de chat. Ah bon, à ça. Colon, pancréas, ok. Ah bah dis donc, il va plus rien vous rester à vous. Quelle générosité, Simon. Si. C'est pourquoi? La collecte des vêtements. La collecte des vêtements. Bonjour. 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 Vous avez quelque chose pour moi? On avait prévenu de notre visite. Oui. Bien sûr. Tenez. C'est gentil, si tout le monde était comme vous. Oh, la générosité, c'est la beauté du cœur. J'aime autant donner que recevoir. Tout est neuf, hein. J'ai tout acheté très récemment. Je ne suis pas du genre à donner des vieilleries. Ah, je vois. Ah non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez, hein. Non, mais je crois rien, je vois. C'est juste un peu dommage. Oh. Jean-Sylvain, tu prends la relève? Bonjour, mon grand. Samantha! Destiné. Oh, bonjour. Olivier Mille? Je suis à vous tout de suite. Tu es à moi? Oh, tu te caches. Oh, mon Dieu. Allô? J'entends des voix. Olivier Mine. J'ai l'impression qu'il me parle. Ah oui, mais ça, c'est normal. Tu regardes trop Fort Boyard. Et à force de baver devant Olivier Mine, eh ben, tu le vois partout. Enfin, je veux dire, même moi, tu pourrais me prendre pour lui. C'est vrai, t'as raison. Merci. Excusez-moi, j'avais... Je voudrais une chambre calme, s'il vous plaît. Voilà, pour être un peu loin de la folie parisienne. C'est toi, Chantal? Bon bah, le ménage, tu crois qu'il va se faire tout seul ou quoi? Allez, zou. T'as failli m'avoir. Attention, chaud, et voilà. Merci Chantal. Chocolat chaud plus biscotte, ça fait 4 euros. Ouais. Voilà. Le petit déjeuner de Monsieur Olivier Mine est avancé. Alors aujourd'hui, nous avons une farandole de céréales accompagnée de sa boisson lactée aux fèves éclatées du Mozambique. Et voilà.
excuse-moi, mais... Oui. Quelle est la différence? Ben, le nom. C'est tout? Ah non, le prix aussi. Ça fait 134 euros. Oh. Petit déjeuner de star. Bon appétit. Ah, bah ça alors. Fort Boyard est déprogrammé. Les nains ont grandi. C'est vraiment une région magnifique. Et surtout chargée d'histoire. Vraiment. Et comment? C'est ici même que les Alliés ont repoussé l'ennemi en 1944. Ah bon? D'ailleurs, faites attention, Olivier, hein, Mine. De quoi? Non, j'ai dit faites attention, Olivier. Mine. C'est pas faute de vous avoir prévenu, hein. Attention, monsieur Mine. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est rien, je t'expliquerai. C'est vraiment une région magnifique. Et chargée d'histoire. Bon, bah c'est le moment de laisser sa trace, hein. Allez, comme en Hollywood. Allez. Non mais vous me faites pas le coup du 6 mois à prise rapide. Oh non, 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 mais enfin on a passé l'âge, hein. Allez, mettez vos pieds. 1, 2. Ça, ça va nous faire une belle statue, hein. Oh bah oui. Grandeur nature en plus, hein. S'il vous plaît. Par contre, monsieur Olivier, faut pas bouger, hein. Comme on vous a dit, c'est pas une prise rapide. Donc il faut compter encore une trentaine de minutes. Oh, hein. Oui. Pardon. D'accord. 1 ou 2 sucres. 2. Ok, je m'en occupe. Très bien, parfait. C'est à vous. Oui. Oui. Super. Voilà. Bon ben, je vais y aller alors. Ok, d'accord, merci. Au revoir. Ben bon, on a quand même passé des bons moments. Oui, c'était super, hein. Allez, voilà. Au revoir. Mais je voulais vous dire que le service était impeccable, hein. Vraiment, voilà. Ok, merci pour la pommade. Maintenant, il faut me laisser parce que je d'accord. Attendez, mais vous vouliez pas une photo ensemble? Oui, si, si, bah écoutez, prenez-en une et vous me l'envoyez, d'accord? Bon, bah je vous laisse parce que vous avez encore de la route, d'accord? Allez. Oh là là, le lourd dos! J'ai cru qu'il partirait jamais. Voilà. Chantal, vite! On a loupé le début! Ah, t'es là? Ok. Oh là là. Et dire qu'il a failli me faire rater Fort Boyard. Bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle aventure. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau, lui! Comment il s'appelle encore? Olivier Mine. Ah, comme l'autre. En tout cas, lui, il est beaucoup plus beau, hein. Et surtout, beaucoup plus riche. Oh, t'as vu l'appart? Vu sur la mer. Waouh! Il a même des tigres dans son salon. Bellissimo! Sì!